Rebonjour les amis! Excusez-moi, donc de temps tout ranger. Me voilà, j'espère que tout va bien, de bien manger. On va continuer notre petit périple, je trouve qu'il ressemble au mec à la pioche. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pas faux, attends voir. C'est pas faux, quelque chose. Moi, je ressemble au mec à la pioche ou pas? Ouais, un peu, il y a quelque chose peut-être. Salut tout le monde, merci pompier pour le sub, c'est très gentil. Alors à qui? Qui ressemble à quoi? Hein? Allez savoir. Merci pour le sub Augustus, c'est gentil. Hello tout le monde, salut Van Hayden. T'es un peu allemand, mais tu es le bienvenu quand même. Ta voix se barre. Non, ça va, je viens de boire un coup, ça devrait aller mieux. Donc, je suis en train de préparer les level 1 pour demain. C'est prêt pour 1080 degrés snowboarding. Ça me fait du bien dire. Plaisir de le retrouver. Moins moche que dans mes souvenirs, finalement. Bon, dans mes souvenirs, il était très bien, mais après, je l'avais vu, j'ai vu que c'était quand même mal vieilli, et finalement, ça passe mal vieilli que ça. Sinon, Overcooked, tout est prêt. Rocket Racing sur Fortnite, c'est prêt. Peut-être qu'on ira en faire un petit peu tout à l'heure. Et je voulais avancer un peu plus dans Lego Fortnite, avec mon petit perso, avec mon nain de jardin, là. Et on va commencer à avancer un peu. Voilà. Fabriquer notre village tout à l'heure. On va voir si y a des nouveaux habitants qui sont arrivés. Guybrush s'installe sur moi pour regarder. Ah, le petit chat de l'ami dindin. Alors, gagner de l'XP dans Lego Fortnite, mais je ne demande que ça. Et voilà, c'est parti tout de suite. Je vais prendre la petite le petit casque. Est-ce qu'il faut être fort en Fortnite? Pas du tout, Anjos, justement. C'est un mode de jeu qui change complètement de Fortnite, où il y a très peu de bagarres et on construit des choses. Donc c'est cool, c'est simple, mon personnage, oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, il me restait quelques V-Bucks et je les ai dépensés dans l'achat d'un personnage que je trouvais rigolo. Il y avait un lutin. Il y avait aussi un espèce de cerf avec un bonnet de Noël qui me plaisait bien, mais je l'ai vu trop tard. Alors. Voyons voir. J'ai une série. J'ai réussi à faire des planches, des tiges de bois. Je pense qu'il me faut du granit pour améliorer mon petit village. Merci, oh là là, ça sauve de partout. Merci, Perceval. Alors. Améliorer le village. Planches sert à fabriquer. Bah alors, je les ai faites, les planches. Il faut du granit. Peut-être plus que 3 planches. Alors, faire une planche de plus et on va aller chercher. Granit. Ah, mes grosses fesses passent pas entre la Syrie et l'établi. Alors, un barbu en Syrie, ça nous faisait rire tout à l'heure. Il nous en faut pas beaucoup. Voilà. Là? Les planches? Voilà, normalement ça devrait aller. Et je vais aller me préparer une petite hache. On va encore aller couper du bois et du granit. L'inventaire est plein. Ah, Dame Ned. Ah, mince. Alors, eh ben, les planches, je peux peut-être les poser quelque part. Est-ce que là, je vais pas pouvoir ramasser des choses. Faudrait que je fabrique un coffre, en fait. Pour ranger des trucs. Épée courte. Oh, ça y est, je commence à avoir de l'armement. Très bien. Et de chevalier. Oh là là, mais je vais pouvoir faire des trucs super. Mais c'est pas ça qui m'arrange. Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire? Je sais plus. Putain, je suis perdu là-dedans. Un coffre. Je voulais faire un coffre. Voilà. Un coffre de rangement. Petit coffre, peu des planches, un petit. Très bien. Et je vais le mettre là. Tourner. Et je veux pas le péter. Là, il était bien. Et je vais mettre des choses dedans. Par exemple, la laine, j'en ai pas forcément besoin. C'est quoi ça? Du granit, non, ça je vais garder. La terre, je vais garder.
Lierre, on sent. Ouf, les os. Griffe de loup. Joli ça. Et je vais peut-être aller faire d'agriculture. Donc je vais garder tout ça. Ok. Allez, je me fabrique une hache forestière. Deux haches forestières. Ah non, j'ai pas assez de bois. Allez, on va couper du bois. C'est parti. Il n'y a plus beaucoup de bois autour de chez moi. Voilà. Je meurs de faim. J'ai un œuf alors, si c'est ça. Même pas cuit, ça a l'air de faire son petit effet quand même. Ah, vous avez faim, mais je viens de manger. Ah, c'est peut-être... la faim, c'est peut-être la barre qui est en dessous plutôt. Pas les cœurs. Alors, manger un œuf. Ok, non, c'était mon petit portrait au milieu, en gauche. Ah, vous pouvez pas voir, mais en dessous, derrière les coulisses de Level 1, il y a une petite fourchette. Si je me mets comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, vous voyez là où il y a mon portrait de nain de jardin, tout à l'heure, il y avait une petite fourchette. J'avais faim. Donc, l'indicateur de faim, et là, ça doit être le truc vert. Ça doit être les petits carrés verts, je pense. Ok, je vais continuer avec la hache forestière. J'ai l'impression que ce soit très efficace. Casser un truc, mais ça servait à rien. Appelle Maxime le Forestier pour t'aider, propose Perceval. Ça fait tout à fait Minecraft et pas de patrouille. Ah, j'adore ton pseudo. Ça fait totalement Minecraft. Mais justement, c'est un intérêt aussi. Voilà. Alors la différence avec Minecraft, c'est pour le moment je peux pas creuser. Plus tard je pourrais creuser, mais... Je vais pas réussir à creuser. J'ai cassé ma hache. Alors j'en avais prévu une autre. Ah, j'ai l'impression qu'on m'agresse pour ce temps-là. Qui m'agresse? Elle est de merde. Oh, elle m'a buté. Ça devait être venimeux ou je sais pas quoi. Ah, c'est ballot. Allez, je vais chercher. Tourne. Alors. Pas m'aider miaou miaou là. Non, il veut pas me parler aujourd'hui. Ok, je vais chercher d'abord mon matos. Et on va voir. Là où il y a l'espèce de lumineux, c'est là où j'ai laissé mes affaires. Ranger de cette saleté de. Mais au passage. Quoi? Voilà, ok. Voilà, forestière, très bien. Il va falloir quand même un peu plus de granit, je crois. Et... Oh, il y a quelqu'un qui a fait un village ici ou quoi? Un truc lumineux là-bas, faudra quand même que j'aille explorer un peu là-bas aussi. Ça, qu'est-ce que... Ah. Je sais pas ce que c'est, mais je vais le caresser quand même. Ah, mince! Attaquer hors des araignées. Là. Là. Et voilà. Laissez-moi caresser cette pinata!
Oh, bah ça valait le coup. Pas d'où elle sortait, mais en tout cas, très bien. J'ai récupéré du hamburger, j'ai récupéré des tas de trucs. Des barils explosifs. Oh, non, mais incroyable. Et là, je vois un petit coffre. Le même bruit que dans... Ah bah tiens, il n'y a plus rien dedans. Ah, c'était le petit coffre que j'avais tout à l'heure, je pense. Voilà, du granit. Très bien. Je vais peut-être manger une petite framboise parce que... Voilà. Et je vais revenir sur la pioche. Ah, mais c'est emmerdé par des araignées de merde. Le... Voilà. Il va avoir pas mal de granit, mais je pense qu'il en faut beaucoup. Voilà. Ouais. Je pense qu'il en faut beaucoup. Oh là là, ça y est, je l'ai cassé. Je pense qu'il faut beaucoup de granit pour mon village là. Je sais pas ce que c'est, mais je caresse quand même d'ici. Voilà. Oui, c'est mon style ça. Allez, encore un petit coup de pioche. Ah là, j'ai du bon gros granit. Et la nuit tombe et le danger guette. Oh, j'avais emmené que ça comme hache, je pensais que j'en avais plus. Allez, on rentre vite à la maison. Donc la nuit tombe. Faire du petit bois, récupérer un peu de lait au passage. Ah, j'ai froid, mais j'avais une torche dans mon jeune temps. Où est-elle? Elle est là. Voilà. Voilà, qu'on ne devrait pas. Allez, on remonte. Désolé les amis, je lis pas beaucoup le chat. Oh, il y a des squelettes qui festoient là. Et d'être concentré. Salut Pipo. Je viens de revoir le replay de Team Game One version Avatar. Un bon moment. J'ai content. On a bien ri, on a bien ri. J'ai moins rigolé dans le level 1 où vraiment rien n'a fonctionné comme j'aurais voulu, mais. Mais c'était drôle quand même, alors ça va. Ok, alors si je me rendors. Normalement, je récupère des forces et tout. Ah, et je peux pas utiliser mon établi sous la pluie. Est-ce que j'ai de quoi construire un étau? Oh. Et bon, heureusement qu'ils sont là pour me protéger. Faire que tout à l'heure un poteau à bien et voilà et comme ça hein. Allez comme ça. Oh, j'ai froid. Bah oui, c'est mon la torche. Voilà. Ah, ça doit être température chaud-froid, je vois, en haut à gauche, là. Vous voyez, le petit curseur, il va vers le bleu, là. Dans le rouge, ça devrait être à bonne température. Donc, et maintenant, je voudrais un toit. Là. Là. Et... posé sur voilà, avec la construction. Comment ils font les mecs dans man dans quand ils font un truc hyper vite. Oh, mais je voudrais mettre ça à l'abri, ça sera mieux. Établi quoi. Impossible à cette distance. Bah ouais, mais je... Ah, je voudrais le monter. Comment je fais pour le monter?
Ah là, faudrait qu'ils tiennent là-dessus, là. Ah, je comprends rien à la construction, ça m'énerve. Ça m'énerve. Autre chose? Pas de cabanon, est-ce que c'est plus facile? J'ai toujours froid. Le froid, ah, ça fait un super toit, ça. Ça aurait été bien, ça, pourtant. Pas se pivoter, peut-être. Ah, là, il serait bien le truc. Ah, pourquoi? Et... Placement impossible en raison d'un obstacle. Placement impossible à distance. Une mauvaise raison qui font que je peux pas placer mon truc comme je voudrais. Quelqu'un a une idée? Faut pas deux colonnes pour tenir. Non, j'ai réussi. Regarde de l'autre côté là. Attends, je vais reprendre. Prendre mon. Voilà, je vais reprendre ma torche. De l'autre côté. Faire dans le noir. C'est une bonne idée de faire ça en level 1, je sens que ça va être une galère encore. Autre chose, j'ai que ce soir pour me préparer. Autre chose à savoir avant demain. Oh là là, il y a de la bagarre ici. C'est bien, ils ont bien défendu le village, les gars. Oui, regarde ce que j'ai fait. J'avais fait ça, ça marchait très bien, ça. Pas besoin de plus que ça, en fait. Faire le même coup là-bas pour mettre l'établi à l'abri. C'est con qu'il n'y ait pas un truc pour passer la nuit, quoi. Abus, c'est très bien. Amis, Sapo Caramel, elle est parmi nous! C'est pas ton anniversaire aujourd'hui! Je crois que si! Bon anniversaire, là, Amis, Sapo Caramel! Et écoute, je sais pas à quel level tu es, mais bravo, en tout cas, c'est cool. Aujourd'hui ou demain? Je sais pas, mais je crois. Le dindin m'a dit ça. Venir nous voir. Alors, comment je vais faire pour cette histoire? Construction. J'avais pris comme ça. Pas de cabane. Vas-y. Et je devrais pouvoir la coller à ça là. Raison d'un obstacle. Peux pas faire le mettre de ce côté-là. Pourri ma cabane, elle est. Bon, allez, c'est pas. Alors, utilisons l'établi. Je vais refaire des haches. En veux-tu, en voilà. Faire une pioche. Oh, c'est pas vrai que j'ai déjà plus de bois! Oh là là, manque de budget malheureusement. Alors. J'avais plein de bois là. 7 trucs de bois. Passer pour faire une pioche? Voilà. Alors, mon village. Il voulait du granit, il voulait des planches. Améliorer le village. J'ai 22 granit. Planches, 0 sur 10. Ah, faut 10 planches encore. Pour améliorer mon village. Ok. Et moi, je voulais faire des outils pour cultiver la terre. Donc, épée courte, c'est pas mal. Des tiges de bois. Tiges de bois, je peux en faire avec l'établi. Petit chevalier, il faut des planches. Alors, allons-y. Je vais faire des planches. Et je vais faire des tiges de bois.
est forte avec le mot de Lego, dit la biche ne peut pas de monkey. Il se demande où il a mis sa vie car c'était lundi. Ah ok. Alors bon anniversaire en retard la mission. Ravel. Pourquoi je suis sur un écran d'annonce Avatar après 2 minutes de pub? Demande Lombert Wilson qui a un très beau pseudo. Je ne sais pas. Normalement tu devrais être revenu sur le. Tu devrais être revenu sur le stream normal. En sortie de pub, t'as été éjecté. Alors je suis désolé, là je suis en train de préparer les level 1, je peux vraiment pas vous gérer la pub. D'habitude on essaie de faire en sorte de faire une petite pause au moment où il y a les pubs pour éviter d'être avec la pub. Mais là faut que je travaille. Alors, j'ai pas le temps de vraiment gérer le stream comme il faudrait. Donc c'est juste de travail, puis je retrouve la porte pour que vous puissiez voir. Alors voilà, avec mes tiges de bois, je peux faire 5. Il faut 5 tiges de bois pour faire une aiguille. Allez, encore de la tige de bois. Voilà, je crois que j'en fais 3. Inventaire plein. Oh, ça va me saouler, c'est le truc. Genre, en théorie, c'est bien. Puis tu passes ton temps à te faire chier, à déposer des trucs de l'inventaire. Ah, puis le coffre, je parie qu'il est plein maintenant. Et voilà, le coffre est plein. Donc, il faudrait que je fabrique un coffre. C'est ça, c'est un casse-tête sans fin. Ça m'énerve, ce truc. Tu veux faire un truc, mais pour faire ce truc, il t'en faut un autre. Et pour faire l'autre, il faut un autre. Et pour faire l'autre, il faut un autre. Puis à la fin, tu peux plus rien faire, quoi. Et c'est horrible. Voilà, coffre petit, j'ai pas assez de planches. Faire un coffre. Alors, je vais refaire des planches. C'est laborieux. Hein. Allez, souris, tout va bien, ça va. Je commence à m'énerver, tu vois. J'ai plein de bonne volonté, je me dis on va rigoler, on va s'amuser. Et voilà, le truc me fait chier pour des conneries. Ça m'a fait la même avec Starfield. Tenez-vous ? Bon démarrage, t'es content, c'était cool. Et puis au bout d'un moment, voilà, le jeu commence à te faire chier. Courir après un truc, puis un autre. Et vraiment, c'est trop lourd. Allez, je mets un deuxième coffre. Là, du coup, maintenant, je peux enfin vider un peu mon inventaire. Explosive, bah, on a des trucs. Héros de cela. D'ailleurs, j'aime le mettre de côté. Et j'ai des tiges de bois. Avec mes tiges de bois, je vais peut-être enfin pouvoir me faire ma petite épée. J'en rêve depuis tout à l'heure. Moi, je me gourde de boutons. Voilà, épée courte. Parfait. Chaque fois, je me gourde de boutons. Ah, quelqu'un a rigolé. Quelqu'un s'est moqué de moi. Bouclier de chevalier, il faudra des planches, mais je n'en ai pas. Amulette de vitalité. Donc 3 des cœurs supplémentaires augmentent vraiment la. Oh, ça c'est. Du fil de soie. Bah, j'ai rien du tout. Carapace, j'en ai une carapace. Marbre. Mais. Ouais, mais faudrait de la soie. Ah, puis ce coffre, déjà trop petit. Je sens le découragement qui me gagne au fur et à mesure. Ah, puis c'est pas la même chose dans les deux coffres, bien sûr. Carapace, elle est là, la carapace. Et ce qui me manquait, c'est du marbre aussi. Il faut agrandir la communauté. Ben oui, je demande que ça, sauf que. Pour agrandir ma communauté, il faut quoi encore? Des planches, il me faut encore 10 planches. Allez, on va retourner cuire du bois. Granit au passage. Torche.
Mourez de faim. Ah oui, regardez. En haut à gauche, on voit que mon estomac ne va pas bien. Donc, je vais manger une petite framboise. Et les fourchettes rouges devenir vertes. Voilà. Et je vois que tous les petits points blancs qui font tout le tour. Voilà, là, je suis parfaitement rassasié. Très bien. Allez. On prend du bois, on va faire des... Je vais agrandir ma commune. Promis. Ça peut être rigolo. Alors voilà, typiquement, le problème que j'ai avec ce genre de jeu. Moi, j'aime bien, mais ça prend du temps. Ça peut être très rigolo en stream. Passer un bon moment. Mais en level 1, sachant que j'ai que 20 minutes, suffit que je me retrouve à court de conneries, d'une torche, je sais pas quoi, ou à court de boue. Bref, je vais retourner chercher mon truc. Que la nuit tombe, on voit rien du jeu. Et que 20 minutes dans un level 1. Donc, le gros risque, c'est de me retrouver avec 20 minutes de merde. Il m'est arrivé avec Avatar en direct la semaine dernière. Et je suis dégoûté. Que le jeu vaut mieux que ça. Moi aussi, c'est augmenté. Allez, courage, petit bus pour vivre la vie, je ne fais pas mal. Heureusement que je vous ai. Et ça y est, il râle encore. Mais oui, souris, c'est ça. Toujours en train de se plaindre que la vie n'est pas facile. Que payer pour jouer n'est pas toujours rigolo. Des moments comme ça où. Il faudra mieux être expert. Toujours les moins fun. Dommage, je vais pas tarder. Voilà, là. Dernier truc, le rondin dégouline jusqu'en bas. Très bien. Là, j'ai de quoi faire des planches. Donc là, normalement. Merci, Linastrius, c'est très gentil. Normalement. Je vais pouvoir faire assez de planches. 10 planches. Allez, c'est parti. Un bois fait une planche. Ah ouais, là, c'est lent. Au 10. Alors allons-y. Valheim en mode Lego, ouais, ça s'inspire de beaucoup de choses, j'ai l'impression. 4 objets. Une plus. A priori, et avec ça, mon village, normalement, devrait s'agrandir. Bioman. Oh, mon Bioman, coucou. Fortnite ou Minecraft, on se demande. Et le nouveau mode de Fortnite inspiré de Minecraft. On a regardé un peu ce matin Rocket League Fortnite. Donc du coup là c'était carrément une coupe un peu genre Hot Wheels mais avec les bagnoles de Rocket League, donc avec des boosts et le fait la possibilité de sauter en l'air et tout. Ok, je vais refaire une pour le principe de et on va voir ce que ça donne. Je peux partir faire autre chose pendant que la machine tourne, dit Papa Station. Ah, pas bête. Écoute, de toute façon là j'avais pas mieux à faire. Voilà, j'ai pris mes planches. Donc là, normalement, mon village, améliorer le village. J'ai 12 planches sur 10. Améliorer la note de votre village en ajoutant des éléments à ce dernier. Utilisez des points de village et des ressources pour améliorer votre village. Oh, bon, c'est ça qui a passé. Utiliser des schémas de construction et des meubles. Il faudrait que je fasse des meubles en fait. Ah. Là j'ai tout ce qu'il faut. C'est sûr qu'avec les planches. Attends, et tu. Salut Vénard. À la recherche d'une aventure, vous êtes au bon endroit. Ah bah voilà, bah reste avec. Venez dans mon village.
Eh oui, il est plein à craquer. Ok. Alors, je vais faire un troisième petit lit. Et après, je leur mettrai peut-être des coffres, des trucs comme ça. Alors, un lit. Voilà, c'est les trois petits cochons, ça va être. Un lit, voilà. Et je vais construire, par exemple. Chaque fois, je me gourre cette interface, c'est pas possible. Une petite table. Voilà. On va leur faire plaisir. Des chaises. Tabouret, ça ira. Chaises. Non, mais tout. Elle pourra être tous les trois. Il va être beau ce village. Hein? Qu'est-ce que je peux fabriquer d'autre? C'est chaud, c'est quoi? C'est quoi? C'est un hier? Quoi, la frire? Ou du lierre? Mais j'en ai plein le. J'en ai plein le. Mon coffre du lierre. Éclairage. Et un petit coffre. Ok, j'ai passé le truc. C'est du lierre, je reviens. Salut Anakinoa. Alors, du lierre, j'en avais là-dedans. Où j'ai foutu mon lierre. Voilà. Ça va leur faire un petit éclairage. Je vais le mettre sur de lanterne, donc la mets sur la table. Ah, je mets deux bougies. Voilà. Est-ce que mon village est suffisamment bien pour ces gens? Ah, ça améliorait un peu, je crois bien. Hein. Je vois que le 2 là est monté un peu plus haut là. Et je n'ai plus de planches. Des planches. Salut Ozymandias. Oh, alors Ozymandias de des Watchmen, un homme de goût. Je savais pas que tu étais sur Twitch, en tout cas, sache que tu fais partie de mon enfance. Ah, merci, c'est très gentil. Alors Ozymandias, déjà, t'as un très beau pseudo, bravo. Et deuxième truc, tu as un gage. Ce qui arrive ici, en disant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, je te regardais quand j'étais petit, je savais pas que tu étais sur Twitch. A une mission désormais, c'est de recruter deux autres potes comme toi, qui m'aimaient bien quand ils étaient petits, qui savent pas que je suis sur Twitch. Et il faut qu'ils viennent ici, avec nous. Pas forcément sub, hein, juste. Bien, et ils follow, voilà. Ça me fait bien plaisir, donc voilà. Merci d'être là. Tu as ton gage. Va, file et reviens avec deux amis. Un truc pyramidal. On ne demande pas d'argent. Le plaisir de retrouver des petits amis. Alors, allons-y. Pour du bois, sauf que j'ai plus qu'un seul bois. Donc je n'ai qu'une planche. Crois que j'ai même pas de quoi me faire une. Faire les forestiers. Est-ce qu'il me reste seulement une hache forestière? Non. C'est vraiment le problème de ces jeux, c'est que c'est sympa sur le principe et puis. En pratique, c'est chiant, c'est aller-retour pour rien. Ah, il me faut du bois. D'ailleurs, je m'étais fabriqué une épée. C'est pas une mauvaise idée de la mettre en accès rapide. On va la mettre là. Ah, mais j'avais, mais si, j'avais des haches forestières. J'en ai partout de la hache forestière. Y a qu'à demander. La moitié pétée, je vais la. Propre. Sûr que je pourrais avoir un sac plus gros aussi. Je suis sûr. Salut Coche, bienvenue chez nous. Je vais essayer. Et bien vu pour la France. Ah bah attends. Watchmen, le meilleur comics de tous les temps. Pas te dire mieux. Vraiment, je pense que c'est le meilleur comics de tous les temps. Avec Walking Dead, vraiment pour moi les deux meilleurs trucs quoi. Alors. Allons voir parce que là-bas ça se bagarre.
pas mal, mon petit village, là. Je vais reconstruire de la bougie, puisque apparemment ça coûte pas cher. Ça coûte du lierre, et le lierre, je m'en fous. Et regardez, ça fait monter mon village. Là, je peux faire un petit chemin jusqu'à là-bas. Ce serait élégant, ça. Là, je vais faire... Hier, j'en ai 25. C'est du lierre. Voilà. Petit à petit, je fais monter ma jauge de village. Ah, ça y est. Tout ça avec des bougies, c'est beau. C'est beau. Regardez, ça brille. Ah, excellent. Notre Père Noël d'amour, il nous régale toute l'année. Merci. J'ai un petit costume de Père Noël, là, en plus. Alors, les améliorations du village. Il faut juste des planches. Donc, dès que le jour va nous lever, voire même maintenant, si j'étais un peu courageux. Ah, mais j'aurais qu'à me foutre à côté d'un arbre. Bon, on va voir. J'ai ma petite idée. Je vais me mettre près d'un arbre. Je vais poser une... Ouf. Poser une bougie à côté. Une bougie à côté, comme ça, j'aurai pas froid. Et après, je serai vache forestière, et voilà. Ah, le jour se lève. Très bien. Alors, je prends ma hache forestière. Allons-y. Et donc, il faut que je fasse une petite attaque. J'ai pas une piste de tête. Un petit pompier. Voilà. Salut, Mylène. De chez nous. Je suis en train de couper du bois pour faire des planches. Peut-être qu'après on va partir un peu explorer parce que j'ai rien exploré de la map. Il y a sûrement un truc pour se re-téléporter au point de départ, mais bon. Là. Je vais en faire de la planche moi. Ah, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'était une. On aurait dit un lapin, mais c'était une araignée en fait. J'ai faim, ça tombe bien. Petite faim, ok. Et oh, regardez, de la framboise. Où c'est? Je l'avais cueilli. C'est bien, il y a un petit cycle de cueillette, visiblement. Un peu de granit aussi, ça pourra servir. Je mangerai mes framboises. Là, celle-là, je l'ai pété. Celle-là. J'ai jamais dit que tu ressembles à Patrick Borde. Oh, c'est gentil, Ozymandias. J'aime beaucoup Patrick en plus. En fait, on s'est beaucoup vu sur les salons. Oh, j'ai une boule, genre Indiana Jones. On va l'acheter sur des gens. Alors, j'ai pas sa voix, malheureusement. C'est comme il a un doublage assez exceptionnel. Mais il est triste. Un petit côté baroudeur que j'ai pas moi, mais. Voilà. Bien fourni en granit. J'ai vu que dans les constructions que j'avais repère sur la carte. Ce serait pas un truc pour se téléporter d'un endroit à l'autre. Merci Hadoop. De voir. Hop. On remonte sur la piste d'atterrissage, je me suis mis en haut d'une colline. J'ai vu cet instructeur d'aviation de 82 ans qui a eu deux pannes de moteur, qui a réussi à poser son avion en pleine banlieue, dans un jardin. Le truc absolument incroyable. Alors, je vais manger ce petit hamburger. Là, depuis tout à l'heure, il me tente. Je vais le mettre là. Et... je vais consommer, c'est quoi, avec L2? Attendez, j'arrive. Comme ça.
Je verrais mieux ce qu'il y a en bas à droite, parce qu'avec ma grosse tête, vous voyez pas le menu en fait. C'est L2, j'arrive pas à lire. Ah oui, ça cale bien la fin, le burger. Oh, et ça fait un truc. Pendant 9 minutes, genre, je crains pas le froid. Ah bah si j'avais su, je peux pas le recracher. Trop tard. Ok. Ah, et c'est comme Zelda, on va faire des trucs qui... La cuisine qui fait du bien, quoi. Alors, il me faut combien de planches, j'avais dit 9 planches. Allez, c'est parti pour les 9 planches. Oh, regardez, là-bas, il y a de la neige. On va aller à la neige, un peu. Des planches, c'est parti. 2, 3, 4, 5. Voilà, ça travaille pendant ce temps-là. Je voulais faire un grill depuis tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait. C'est un des premiers trucs qu'il aurait fallu faire pour faire à manger. Voilà. Enfin, j'ai vraiment un problème avec l'interface. Comme Zelda. Problème aussi. Alors, le grill, on va le mettre là, au pied du lit. Comme ça, j'ai une petite fringale la nuit. Voilà. Et je vais l'utiliser. Faire du maïs grillé. Manger pour gagner des cœurs, réduire votre faim. Très bien. Faire des œufs au plat et de la viande grillée. Ok. Laisse finir après que l'on serait la confection des œufs au plat. Et des planches. Oui, mais des planches d'année. Ça fait Bénévilleton. Alors, je vais aller me faire cuire un œuf. Attends qu'il ait fini le maïs grillé. Voyons que ça met du temps à griller le maïs. Attends, ça prend un temps de cuisson quand même. Level 1 avec Minto, c'était super en fait. Merci Zenkai. Ah, bah depuis le temps qu'on voulait le faire. Vraiment, on serait content. Réussi ça. Ok. Œufs au plat. Allons-y. On a des œufs au plat. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais voir si mes planches. Et voilà, parfait. Est-ce que je peux prendre les planches tout simplement sans faire utile? Je les ai prises. Ah, l'œuf pour le plat est prêt. Alors, j'ai les planches. Oh merde, j'ai plus assez de granit. Oh. Allez, on va chercher du grain. Putain, c'est vraiment laborieux. Attendez, je vais voir. J'avais des œufs sur le grill. Voilà, je prends les œufs sur le plat. Et la viande grillée, j'ai pas fait. Bah, j'en ai pas de viande. Ok. Je vais regarder dans mon menu. Alors, les œufs au plat. Attends, parce que je vois équipement. Je vais mettre là mon épée dans équipement. Voilà, j'ai les œufs sur le plat. Qu'est-ce que j'avais fait comme autre plat? C'est sympa. Du maïs grillé. Je vais mettre du maïs grillé. Pour le plat. Là, je mets. Réserve de la place. Ok, je vais embarquer. Une petite hache. Pierre. Il me faut du granit. C'est bon, allons-y. Faire du granit. Ah, vite fait. Mais non. Fortnite, genre. C'est ça, Jade. Exactement. Alors, je vais prendre ma chorissière. Ah, c'est du granit qu'il me fallait. Oh, mais j'ai des petits cœurs. J'ai énormément de petits cœurs. En plus. J'ai fait ça avec trois petits cœurs, regardez, j'en ai beaucoup. alors je veux de la. Ah, ça m'a bien réussi la dernière fois de suivre ce petit papillon magique. Je vais le suivre à nouveau.
Ramito. Bon malin, il m'entraîne au loin. C'est le truc que je voulais caresser, mais je savais pas quoi en faire. Ah ben. Ça recommence alors. La Pinata, en fait, régulièrement, il y a des trucs qui sortent, quoi. Faire péter des trucs. Ok. Merci cette vache. Désolé, pauvre vache, mec. Voilà. Et parce que j'aime bien la vendre grillée, je voulais essayer. Oh, un loup! Voilà. Ah mince, l'inventaire est plein. De loup, on s'en fout. Est-ce que je mangerai pas un petit truc? Parce qu'en plus j'ai une petite faim. Comme par exemple du maïs grillé. Pourquoi le maïs grillé n'apparaît plus en haut à droite dans la liste des consommables? Tout à l'heure, le petit burger, il était... J'ai des petits cœurs supplémentaires momentanément, j'ai l'impression. Voilà le granit. Il manquait. Oh, il y avait une petite araignée sous un rocher. Ce que je vais faire, j'ai plutôt la mépriser. Ouais. On va. Là-dessous, faudra qu'on m'explique comment elle s'est. Demain, je vais me déguiser en linge de jardin pour le level. Ce serait raccord, pompier 62, tout à fait. La semaine dernière, c'était Avatar, pas de chance. Non, on sera déguisé aussi mercredi, puisque c'est les Game One Awards. Donc, on va être en costard. Ça correspond à un déguisement, hein, pour nous, d'une certaine façon. Ah mince, l'inventaire est plein. Si je jetais ça, par exemple. Et je vais la finir sur les cailloux. Là, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Quelle heure est-il ? Je dois aller chercher. Ça devient compliqué, Twitch. 3 minutes de pub toutes les 15 minutes. Ça fait 12 minutes par heure. C'est autant qu'à la télé. Et je parle pas de la potiche qui fait sa danse. J'éteins, je décale, je baisse. Ah, désolé, Max Mar. Alors, normalement, non. C'est pas 3 minutes toutes les 15 minutes. On a réglé pour qu'il y ait des pubs. C'est 2 demi-heures. Donc, j'exagère. Ou alors il y a des trucs que je suis pas au courant, mais on fait des réglages avec Blacero pour essayer de vous épargner au maximum les pubs justement et donc l'idée c'est toutes les demi-heures là. Et il y a 6 minutes et demi-heures, soit c'est un accident, je sais pas, et il y en a plus que d'habitude là, mais c'est ça notre réglage, c'est 6 minutes toutes les demi-heures normalement. Et ce qu'on fait aussi le jeudi soir, c'est des vrais streams on va dire, c'est que on essaye de faire en sorte qu'au moment des pubs, moi j'arrête de jouer. De façon à ce que être sûr que vous ratiez rien. Mais là, quand je suis en train de streamer, de préparer les level 1, j'ai pas le temps de gérer ça pour vous, je suis désolé, mais il faudra être un peu patient. Par contre, c'est bien que tu le dises parce que ça va nous permettre de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et éventuellement de régler les choses. 6 minutes par heure, ouais, on est d'accord. Ouais, c'est possible. Je sais pas. En fait, Twitch, beaucoup de choses. Nous, ce qu'on peut faire aussi, c'est lancer nous-mêmes, quand on le veut, des pubs. C'est ça, l'idée, c'est de faire une pause au moment où... au moment où on sait qu'il va y avoir une pub. Enfin, on peut lancer nous-mêmes de notre propre chef une pub quand ça évite qu'elle se lance automatiquement. On peut décider de faire une pause, lancer une pub, on sait que dans la demi-heure qui suit, il n'y aura pas de pub. Voilà, bah je vais faire.
Je m'en décompte. Voilà, c'est un peu, je t'avoue, c'est un peu compliqué, un peu nouveau pour moi tout ça, donc j'espérais au mieux. Mon idée de base, c'est de préférer pas vous demander de sub et que de sous grâce à la pub. Vraiment, la pub est trop envahissante. Les filets de sub. Moi, je sais pas, j'ai pas trop la culture du sub, donc je serais content de vous demander. Mais encore plus quand vous vous en offrez à vous-même. Je trouve ça super en fait. Cette dernière semaine, il y a eu plein de subs offerts et c'était vraiment très mignon. Ouais. C'est cool. Donc, qu'est-ce qu'il me fallait? Je ne sais plus. C'est le granit. Ah là, j'ai tout. Ah, j'améliore le village. Ça y est, on y est, les amis. Voilà. Passer au niveau 3. Je peux faire des bols et des cuillères. Et Vénard va bien vouloir habiter chez moi maintenant. J'adorais du coup, alors j'aimerais avoir un endroit où m'installer, mais viens! Mon village! Mais oui! Viens, t'as un petit lit. Peut-être comme chez vous. Et alors, miaou miaou, il habite déjà chez moi. D'ailleurs, tu vas aller bosser un peu. Vous avez construit quelque chose qui ne vous convient plus, vous pouvez toujours le détruire pour le reconstruire. Je crois que je vais faire ça avec l'établi pour le mettre à l'abri. Eh bien. Ah. Va me chercher. Ouais, c'est toi. Ah, mais non, lui, c'est pas. C'est l'ourson, celui avec le chat. Oh. L'autre, ouais, ok. Ça roupille. Ah, bah, merci, les gars. Les invités dans mon village, tout le monde roupille. Et. Et l'autre, il y avait un troisième qui rôdait là. Le gars avec la tête de burger, juste. Ah bah attends. Miaou musclé. Quoi, tu vas aller travailler hein. On se passera. Il y avait le bon poste de travail, je pourrais travailler. Travail. Aider le village. Proximité. Voilà. Ouf. Les ressources, merci. C'est parfait. Alors, tout le monde roupie. Bah, je vais aller me coucher aussi. De toute façon, il faut que j'aille chercher l'eau. Donc je vais devoir arrêter là ce stream les amis. Merci de m'avoir encouragé, soutenu. Je suis pas encore allé assez loin. Je vais continuer tout à l'heure. Soir, je restreamerai peut-être ce soir du coup. On verra. En tout cas c'est cool. Je sens ça sent un peu la galère, donc je le ferai pas en direct. Je l'enregistrerai mercredi matin. Level 1 sur Go Fortnite pour éviter par exemple passer notre temps de nuit quoi. 20 minutes normalement on doit avoir un cycle jour nuit, mais on voit bien que ça commence par une journée quoi. Même mieux. Et en direct ce sera mon dindin, ce sera Lego Rocket Racing. J'ai du mal avec les noms des trucs. J'arrive déjà pas à retenir les noms des trucs. Ils ont sorti simultanément Lego Fortnite, Lego Rocket Racing et Lego, je sais pas quoi, musique, qui est un jeu, il l'appelle Festival, voilà. Où là, c'est un jeu à la Guitar Hero. C'était pas mal. Oh, merci pour l'abonnement, Zenkai, c'est gentil. 18 mois. Alors, et ben voilà, donc je suis revenu au salon. Les amis, il faut absolument que je vous laisse. Le fiston va m'attendre. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été là. Oui, plus de 3. Mais il reste le roi du Twitch. Ah, merci Zenkai. Pas encore. Mais bientôt. Grâce à Ozymandias qui va chercher ses potes. Le complot contre le monde va être parfait. Ça va être top. Bon, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, les amis. Soyez sages, Ozymandias. On se voit bientôt avec les copes. Non, je déconne, t'es obligé à rien. Du tout, évidemment. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous, en tout cas. Mais comme t'es un personnage complot et tout ça. C'est pas mal. On se voit peut-être tout à l'heure pour la suite de ce stream. C'est pas impossible.
Je le ferai peut-être tout seul dans mon coin, on verra. Et sinon, demain, sur Game One, pour les Game One Awards, ne manquez pas ça en live. Demain matin, je tournerai 3 level 1, 1 sur 1080 degrés snowboarding sur Twitch, 1 sur Overcooked 2, 1 sur Lego Fortnite. Et l'après-midi en live, ce sera Fortnite Rocket Racing. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vais finir de chercher le fiston. Soyez sages, bonne fin d'après-midi, peut-être à tout à l'heure, sinon demain pour de nouvelles aventures. Soyez sages, ciao!